Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter le petit album que j'ai terminé hier avec la collection Christmas Story de Minté. Voilà. Le nom Bicarola. Voilà, c'est une marque polonaise, je pense. Oui, c'est marqué dessus. Donc voilà. C'est du très beau papier, de très bonne qualité. Donc j'ai fait la reliure comme ça. J'ai mis des petits nœuds, des petits grelots. J'ai découpé l'image que j'ai matée avec du papier rouge en dessous. Le petit ruban pompon. Ça, c'est les découpes qu'il y avait dans la collection que j'ai mis avec de la mousse 3D en dessous. J'ai mis également du fil argenté. Voilà, il se noue avec un ruban sur lequel j'ai mis une petite étoile. Voilà. Donc, c'est presque un livre d'images en fait, hein. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. Voilà. Ici, c'est un chipboard que j'ai fait un embellissement que j'ai découpé aussi. La 25. Les pages sont aimantées. Voilà, à l'intérieur de chaque page, il y en a 5 en tout. Il y a des tags dentelles dans chaque page. Voilà, donc vous voyez, le papier se suffit à lui-même. Là, j'ai fait un petit carnet avec les images de la collection. Vous voyez, c'est très beau, c'est très frais. Voilà. Ici, j'ai refait une petite pochette avec à l'intérieur une carte où on pourra éventuellement glisser des photos. Voilà, ici, j'ai collé une étiquette juste dans les angles ici pour pouvoir glisser un tag à l'intérieur et mettre du journaling ou mettre des photos également. Là, on peut en rajouter autant qu'on veut si on veut. Enfin, voilà. Et ici, j'ai mis un petit ruban. Et cette page, ben, je l'ai laissée comme ça parce que ben, voilà, elle est trop trop belle. Elle est aimantée également. Avec toujours ce grand tag blanc où on peut coller des photos. Là, voilà, j'ai rien fait de spécial. Ici, j'ai refait une pochette avec à l'intérieur une carte aussi. Donc, on peut déjà pas mettre quand même pas mal de photos, hein. Voilà. Rien de spécial. Là, j'ai fait une petite poche à souffler dans laquelle j'ai mis les étiquettes, les chipboards que j'ai découpés. Voilà, pour après, une fois qu'on aura mis les photos, pouvoir continuer à décorer son album. Voilà, il y en a quand même pas mal. Et elle est aimantée également. Donc voilà. Donc ça, j'ai rien fait non plus, c'est trop beau. Ici, j'ai refait une pochette en L avec le papier. Et à l'intérieur, j'ai mis aussi un petit carnet où on peut, avec une petite trombone, petit nœud, et on peut également coller des photos ou ce que l'on a envie. Voilà. Ah bon, c'est vraiment une très belle qualité de papier, hein. C'est très joli. Donc voilà. Et j'avais envie de faire cette reliure comme ça avec, vous savez, la machine, la Zutter, là. Je trouve que ça fait pas mal. Et derrière, j'ai fait comme ceci. Voilà. Donc, c'est un plaisir de travailler ce papier-là. C'est un peu comme Stamperia, en fait, hein. Voilà, mon premier petit album. Non, pas mon premier petit album de Noël, j'en ai déjà fait un. Encore un petit album de Noël, très sympa à faire. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end à toutes. Ciao à toutes et puis plein de bonnes choses. Bye bye.